C'était un match clé, peut-être charnière, où Le Havre, leader, affrontait son dauphin Bordeaux, 4 points derrière. Dans un stade Océane à guichet fermé pour la première fois depuis son inauguration en 2012, avec plus de 23 000 spectateurs, Le HAC n'a pas raté son rendez-vous. Les Havrais ont tout d'abord été inspirés à la 9e minute avec l'ouverture du score d'Amir Richardson et ensuite ont été solidaires en deuxième période à 10 contre 11 après l'exclusion de Cornette dans les 20 dernières minutes. Les Havrais ont souffert mais ont su résister. Les joueurs de Lucas Elsner enchaînent une 4e victoire consécutive, la 4e sans encaisser de but. Avec la meilleure défense du championnat, une invincibilité de 14 matchs, 10 victoires, 4 nuls, 5 points d'avance sur le deuxième et 7 sur le troisième. Beaucoup de voyants sont pour l'instant au vert pour voir le club doyen retrouver l'élite pour la première fois depuis 2009.